Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo essentiellement swatch. J'avais envie de vous présenter un produit, une nouveauté chez Kiko. Ce sont les 3D Ultra Gloss qui sont sortis en édition limitée. Les 3D Hydra Gloss, on les connaît, c'est vraiment un produit culte de la marque Kiko. Ce sont ces fameux gloss à moins de 10 euros qui existent dans un nombre incalculable de couleurs qui ont des finis différents. Eh bien, Kiko nous a sorti 6 nouveaux gloss, donc en édition limitée malheureusement. Moi, je les ai là, je les ai trouvés tous les 6. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, pour trouver les 6 gloss, j'ai dû passer par le site parce que je suis allée à Paris dans plusieurs boutiques Kiko puisque les gloss sont sortis. Mais alors, je peux vous assurer qu'il y avait des boutiques où déjà il n'y en avait absolument plus. Il y en avait d'autres où il n'en restait que un ou, enfin, que une ou deux couleurs. Je n'ai pas trouvé de boutique où il y avait la totalité du stock. Donc, c'est vrai que je les ai pris sur Internet parce que je voulais être certaine de tous les avoir. Et du coup, j'avais envie de vous les montrer, de les porter, que vous puissiez vraiment vous rendre compte sur, sur des lèvres ce que cela donne et vous faire également des swatchs. Les voilà, ces 6 pépites. Donc, on est toujours sur le même packaging. La seule différence, c'est qu'on a maintenant des petits capuchons qui, au lieu d'être transparents, vont être couleur or rose. Je vais essayer de les tenir par les capuchons pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les couleurs. Voilà, du coup, ce que cela donne au niveau des 6 couleurs. Franchement, c'est super beau. Moi, quand je les ai vus sur les sites, j'ai été incapable de faire mon choix. Donc, je les ai absolument tous pris. Avant de vous faire des swatchs sur mon bras, avant de les porter au niveau de mes lèvres, j'avais envie de vous faire un zoom pour vous montrer quand même, parce que ce ne sont pas tous les mêmes. Il y en a certains qui ont un effet un petit peu métallisé, d'autres qui sont vraiment gorgés de paillettes. Donc, vous avez des finis différents en fonction de ces glosses. Je voulais vous montrer par exemple la teinte 46, qui est celle-ci, qui est pleine de paillettes. En vous faisant un zoom, vous voyez, vous verrez à l'intérieur. Donc, on est sur une couleur qui est un peu plus soutenue. Et par contre, vous avez plein de petites paillettes bleues, violettes à l'intérieur. Si je vous montre par exemple le 45 qui est plus cuivré, vous voyez, on n'est pas du tout sur un système de paillettes. Là, vous allez avoir une couleur qui va avoir plutôt des reflets métallisés. Pareil pour des paillettes, vous en avez aussi un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, je trouve, au niveau de la teinte 44. Mais franchement, vous avez l'impression qu'il y a de la poussière de diamant dans ces produits. Moi, je trouve ça assez incroyable. Et un qui est extrêmement pailleté aussi, c'est le numéro 41, qui est celui-ci, qui est une couleur assez claire, presque transparente, et pareil, qui est gorgée de petites paillettes roses, bleues, violettes. Non, mais écoutez, ces produits, je vous dis, ce sont des pépites. Voilà ce que cela donne au niveau des swatchs. Donc, ça commence ici avec la première couleur qui est pailletée. Vous voyez qu'elle est quand même très, très claire. Et vous avez ici les 6 couleurs. Je vais voir si en faisant un zoom, est-ce que vous allez pouvoir voir un petit peu plus les reflets. Dernière petite chose à savoir de ces glosses, hein, vous avez également au niveau de l'embout, vous avez comme une sorte de petite fente à l'intérieur. Vous allez avoir le produit qui va venir se déposer, ce qui fait que lorsque vous allez appliquer le produit sur vos lèvres, quasiment en un passage, vous allez pouvoir recouvrir vos lèvres. Donc, j'avoue que cette espèce un petit peu d'embout doseur, c'est quand même assez pratique. Il faut savoir que ces 3D Hydra Gloss sont un petit peu plus chers que les 3D Hydra Gloss classiques. Les classiques sont à moins de 10 euros. Ceux-là sont au tarif de 12,99 € l'unité. Voilà, vous savez tout, on peut commencer tout de suite avec le premier qui est le numéro 41.
Voilà du coup pour les swatchs, je vous les remontre, des nouveaux 3D Hydra Gloss en édition limitée de Kiko. Donc, vous voyez, hein, vous en avez certains qui ont un fini plutôt métallisé, d'autres qui ont un fini qui est quand même extrêmement pailleté. Donc ce ne sont pas des gloss qui sont collants et je trouve qu'ils ont vraiment énormément d'effet et ça apporte beaucoup d'hydratation au niveau des lèvres. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Qui sait, si jamais ces gloss vous tentaient, bah justement de les voir comme ça, de voir les swatchs, de voir le rendu sur les lèvres, peut-être que ça vous aidera à faire un choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous vous êtes déjà laissé tenter par ces gloss. Est-ce que vous les avez pris comme moi ou est-ce que vous allez les commander? Et n'hésitez pas à marquer également ce que vous en pensez. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!